Anaprice Pethiar, Pidjara comme on prononce là-bas, est né vers 1965. Sa famille compte des membres éminents du mouvement artistique aborigène comme Emily Ken, Kwarie, ou sa mère, Glory Engel. Anna s'est certainement appuyée sur ces exemples pour peindre. Car les deux artistes sont célèbres pour la grande liberté dont ils ont fait preuve, puisant parfois dans la tradition la plus orthodoxe et innovant parfois franchement, basculant alors dans la création contemporaine. Anna est ainsi. Elle part de la tradition, mais cherche constamment à en donner une lecture personnelle, comme c'est le cas pour la série que vous la voyez peindre. Cette série décrit des lacs de sel, la terre craquelée, également la nourriture du bouche et les variations du relief. Les techniques nombreuses qu'elle utilise, autant que les nombreux thèmes, font d'elle l'une des artistes les plus intéressantes de sa génération. Il est vrai que la terre où elle vit, la communauté d'Utopia, est depuis longtemps marquée par ce foisonnement artistique, mais le résultat n'est pas toujours une réussite visuelle. Au final, seuls quelques artistes émergent vraiment de cette partie du désert, et Anna est l'une de ces artistes.